bonsoir à ma femme et puis à celle des autres. Chamon, hein. Je te demande quoi, moi. Bon, ouais. Bruno, t'as un petit message pour ta femme? À ma future femme et à mon fils. Ah, d'accord. Ah, oui. Et à son futur mariage. Bon, ben, à la santé de ma bonne petite femme qui nous a fait des cakes. Ah oui, c'était très bon. Ouais, voilà. À part la chienne qui a... Ouais, c'est chien, elle n'a pas bien raison. Enfin bon, c'était pas... On a tout mangé. Oui. Oh, il restait même pas une miette. Il va pas finir la soirée, c'est la bière. Alors la soirée, c'est la bière. Ouais. Allez. Alors ce matin, nous partons en direction de Vatra d'Ormeilly pour aller rejoindre tout doucement la Moldavie-Bucovine. C'est pas facile hein, parce qu'on monte sur les chaînes. On a failli se faire deux sorties de piste là parce que dès qu'on mord un peu sur les talus, on est tout de suite attiré dans le fossé. C'est pas facile. T'as dit le tendeur à l'extérieur. Je vais voir quand même, c'est merveilleux. Un petit plat préparé par ma maman, juste à réchauffer. On se concentre hein, parce que le ravin est pas loin là.
Attention, on a l'arrêt juste après le caillou. De ah, c'est pas les chaînes de ces deux, hein. Ah bah non, ça c'est clair. Un grand dame. Bon, allez chez mon ami Georges à Kampulung, c'est pas toujours chose facile, hein. La piste est un peu spéciale. En tout cas, Georges, tout va bien, tu vas pouvoir commencer à allumer le barbecue pour ce soir. Hein. Bon, on a reçu le texto de Karim là, qui nous encourageait, c'était sympa. Merci à toi. Il y a eu Eric d'Alsace, il y a eu Roland, il y a eu plein de monde. Donc c'est très très sympa que vous soyez avec nous. Ça nous fait plaisir. Ça nous encourage un petit peu. En tout cas, on a une météo aujourd'hui qui est exceptionnelle. Un super soleil, c'est que du bonheur. Mm-hmm.